Et re les gens, on va repartir sans plus attendre dans une bataille avec notre team. C'est parti. On est passé à 1120 Elo apparemment. À peu près. Donc on a dépassé les 1100 d'Elo. Dire là, à moins que je fasse une défaite contre. Et on commence à tomber contre des teams assez sérieuses. Hein. Genre, ça, c'est un Pokémon relais. Du coup, j'ai envoyé femelle en first parce qu'il va sûrement envoyer soit son noisier, soit son machin joueur trop pod, ma bite, en premier, soit pour faire un relais, soit pour poser des pièges de rock. Donc, le but il va être de casser la gueule ou excadrille. Oh, ça me va aussi. Bon, là, grosso merdo. Je peux quasiment bout de feu dans tout. Au moins, il y a pas de problème. Il y a que deux Pokémon qui me gênent dans le bout de feu. 2 sur 4, ça va. Il va sûrement switch dessus, mais au moins je vais forcer le switch. Il me dit que j'ai 2 minutes restantes, mais je suis en train de j'ai bourré voilà. Comme je l'ai dit, dans tous les cas, je peux me permettre de bourrer comme un tarde. Du coup là je vais switch. Je vais mettre mon piège de rock. Non non bien sûr que non Darksider. C'est les Pokémon avec les mêmes stats de base. Ok, il a Mega Dragon Feu Y. Fire Blast. Ouh. J'ai pris quand même relativement cher. Il a peut-être essayé de me Lance Soleil. Et j'ai quoi pour encaisser un soleil? J'ai Jinkuro à la limite. Mais je vais tenter de péter des pêches de rock. Je vais sûrement mourir là sur ce move. C'est possible que je meure. Clairement. S'il a un soleil avec son Charizard Y, ce qui est probable. Focus Blast. Ah non, il a essayé de me Focus Blast. Très bien. Donc là, j'ai placé les pièges de rock. J'ai fait mon office. Je me casse. Je vais le garder au cas où il a un Pokémon pour défog. Genre son Minotaur. Hop, il me Focus Blast. Dans le vent, tant pis pour lui. Là, on va aller violemment Cradovague, comme des sales. Voilà, 46%. Solar Beam. Alors, on a l'air d'avoir un mec pas très intelligent en face de nous, parce qu'il y a quand même Solar Beam. Il y a la lance soleil sur un Pokémon poison. Chardra X est bon. Oui, il est très bon, Dracofeu X. Il se joue très différemment du Y, cependant. Donc là, il va peut-être essayer de le retirer. Mais s'il le retire, j'espère pour lui qu'il a... Que son... Ouais, il va pas le retirer, il va le risquer jusqu'au bout. Donc là, il va peut-être envoyer son Minotaur. Alors, Minotaur, il a... Je dois aller à la Medinaza. Bonne nuit à toi, Elou, merci d'être passé. Donc là, il va peut-être envoyer son Excadrille pour essayer de tout rapide. Pas de chance pour lui, c'est un Pokémon Spectre, donc il peut pas le mettre. Il peut pas le mettre, c'est impossible. C'est impossible, ça serait... Ah, il le met quand même. Donc il va sûrement tenter un séisme, mais... Il doit avoir... Enfin, s'il a pas Brise-Moule, il va être déçu. Du coup, je vais le Will-O-Wisp, le Feu Follet. Je pense pas qu'il ait Piège de Rock sur un Excadrille, ça serait bizarre comme set. Mais c'est faisable. Mais c'est bon, j'ai encore... Déjà, on avance. Rock Slide. Éboulement. D'accord. Mais c'est possible, hein. Rien n'est impossible, bien entendu. Il doit pas être... Déjà, il est pas Choice Scarf. Il est pas Choice parce qu'il m'a pas Outspeed. Il m'a pas Outspeed. Enfin, il m'a pas dépassé en vitesse. Donc, il doit être... Je sais pas... Quoi? Je vais le. Du coup, je l'ai brûlé, donc mon ex fait deux fois plus de dégâts. Du coup, je l'ai mis mal. Il a forfait, carrément. Salut Iziki, j'espère que tu vas bien. On est sur Pokémon Showdown, on fait du ladder. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je veux dire, les mecs, on les fait racheter assez vite. J'ai. Donnez-moi mon laddering, s'il vous plaît. Je suis passé à 1156, c'est plutôt cool. L'autre est passé en dessous des 1100, tant pis pour lui. On continue. Bon, pour l'instant, notre team a l'air pas trop mal, sauf quand je fais de la grosse de mer. Et on va affronter Master Ball 23. En tout cas, les mecs ne disent même pas GG quand ils forfait.
Ok. On a une team plutôt sérieuse en face. On va faire un opening classique. On va envoyer Godzilla. Abus Tireur 2, merci d'être passé. On va envoyer Godzilla pour qu'il puisse mettre les pièges de rock. Non, Candice, on fera pas de karaoké. Aujourd'hui, on tryhard. Comme des salles. Et envoyer Magnéton. Magnéton. Où est le piège? Je vais violemment poser les pièges. Je m'en fous de le one shot. Volt Switch. À la limite, ça me dérange pas trop. Voilà, je sais. Qu'est-ce qu'il fait? Sur quoi il va switcher? Sur son Keldeo? Bon, c'est pas grave, j'ai posé mes pièges de rock. Moi, ça me va. Attends, un Keldeo avec. Un Keldeo avec des restes. Ah ouais, alors là, j'avoue que je comprends pas trop. On va changer sur Melolo Ferrari. Non, moi pareil, mon Tyranocif a fait son office pour l'instant. Je ne vais pas le risquer. Et on va envoyer Melolo Ferrari. Voilà, il va ébullition. Ouh, ça me fait. Oh là là, il me burn et tout. Bon, c'est heureusement que j'en ai rien à foutre entre nous. Ah, du coup, là, j'ai presque envie de calm mind sur sa tronche en fait. Parce que théoriquement, je peux encaisser un coup de plus. Donc je vais. Et dans le pire, il switch. Et s'il switch, j'aurai plénitude dans le bon sens. Il m'envoie Metagross. Alors normalement, il est plus rapide que moi, je pense. Oh, ça peut se tenter. Alors, est-ce qu'il va me piste au point, sûrement. Ou méga évoluer. Dans les deux cas, ça va me faire plaisir. Oh oui, Jinkuro. Le mec il met Battle Timer mais voilà, méga Metagross, ok. Meteor Smash. Ok, des bisous. Oh oui, à la cuillère. Méga évolution. 338 en speed. Il peut m'outspeed. C'est possible. Mais on va prendre le risque. Salut Dark Skeleton. Redark Skeleton. J'espère que tu vas toujours bien. Ah, comme d'hab, c'est eux qui mettent des timers, mais c'est eux qui mettent une demi-heure à choisir leur coup. Tout va bien. Il va à Azumarill. Normalement, il est très très lent. Mais il va sûrement Aqua Jet. Voir Kunyu Bidon là. Ouais, là c'est Mega Metalos.
Regorgon, j'espère que tu vas bien. Play rough. Oh putain. D'accord, il a combien de mains démon switch? Il a combien de mains démon switch? Du coup, je pense que je peux le bourrer à. Je vais le bourrer aux flammes bizarres. On va Brave Bird comme un gros porc. Bon, il y a encore aucun de ces Pokémon de KO, hein. Moi j'en ai deux. Après, si j'arrive à placer mon méga à la Kazam, c'est la gratuité de la gagne. Ok, il m'a intimidé. Ah ouais, Stonehenge. Je j'ai le plus joué, je sais pas, pas du tout, je sais pas du tout. Non, il y a sûrement l'âme de rock. Ou poser les pièges de rock, sachant que j'ai plus de la tiasse, je serais dans la merde. U-turn, il a bien fait. Alors pourquoi ce compliment, Candice, que t'arrive-t-il? Sans Metagross. Je pense pas que je vais le tanker là. Pierre Feu Kid, je tente. Sinon, il faut que j'ai un Pokémon qui périsse, sinon on s'en sort pas. Ouais, il m'a metteur ce match. D'accord, Candice. J'ai acheté Aurelia the Blind Forest. Ouais. J'ai pas encore joué. J'ai bien envie d'Aiden Power. Mais j'ai mis Switch, je suis baisé. Donc je vais Shadow Ball. Parce que moi avec Shadow Ball, je tape dans tout. Oh là là, il va tenir quoi. Oh là là, le con. Le mec a gagné parce qu'il a... Pff, ouais, tant pis. J'ai mal joué. C'est pas grave. On enchaîne. C'est marrant, je pourrais lancer plusieurs batailles en même temps. On pourrait se faire une espèce de multi-team. Déjà, on tombe contre des teams un peu plus sérieuses. J'ai des grosses faiblesses. Notamment à l'eau, par exemple. Allô, j'ai quand même deux faiblesses quoi. Je joue quand même du Pokémon, tout sauf bleu, vert et c'est tout. Tu veux dire qu'il va envoyer son méga d'entrée? Merci beaucoup à toi, Solo Shy.
Là, il va me one shot. En tout cas, il a méga évolué pour Stealth Rock. Là, il va me Meteor Smash, ça risque de me one KO. Je sais pas si Meteor Smash ça a des chances de rater ou pas. Meteor Mash. Ok. Ça a une petite chance de rater quand même. Allez, je tente de la tierce. Salut Bidou, j'espère que tu vas bien. Meteor Mash. D'accord. Au calme. Très bien. Je suis obligé en fait. C'est magnifique. Bon, je peux plus défog. Raikou, ben je vais flare blitz, hein. De toute façon je vais perdre mon Pokémon, donc autant bourrer jusqu'au bout. Hein. Bon, l'avantage de mon Akazam, c'est que... Ah oui, il est plus rapide que moi, hein, Raikou. À 361 speed, d'accord. Il m'a outspeed de rien du tout. Là, mon Pokémon va mourir, mais c'est juste pour mettre la tempête de sable, histoire que ça y fasse des dégâts en fait. Le problème, c'est que j'ai pas grand chose pour tanker. Et oui, ça va être le mieux. Bisous, Shai, merci d'être passé. Je pense que je peux calm mind assez facilement. En tout cas, il est scarfé. Dans tous les cas, il est plus rapide que moi. Alors, il est pas très rapide, normalement. 262. Oh, mais il est plus rapide que moi quand même. Ça se tente. Je tente. Bien sûr que je t'aime, Candice. Je tente. Il va peut-être me one shot, mais j'espère pas. Ça a pas normalement beaucoup d'attaques, armure. Enfin, c'est raisonnable quoi. Spikes. Ouais, d'accord, il joue comme ça. Ouais, d'accord, il survit. Fils de pute. Bon, comme je l'ai dit, l'avantage c'est que mon Mega Lakazam, je peux le placer dans n'importe quelle situation en soi. C'est un avantage non négligeable. Et là, théoriquement, mon Melolo Ferrari devrait pas être dérangé. Je pourrais même me permettre de... Ou quoi que... Ouais, non, normalement, je dois pas être méga dérangé, là. Il peut me tuer. Mais je vois pas avec quelle attaque, en fait. Return. Ah oui, il peut me tuer comme ça, oui. Ah, il m'a crit. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, le Gamu. Est-ce qu'il a... Ouais. Limite, j'aurais dû Explore Force. Comme ça, si jamais il switchait sur son Octali, je le tuais.
Parce que là, jamais il suit sur son Octalie. Il va me décevoir en soi, je vais être déçu. Il a pas switch. Oh putain, il tient. Putain. Sérieusement. Bon, ben je suis dans la merde. J'aurais dû explore force quoi. J'aurais dû explore force comme un gros tarde. Bon là j'ai perdu en fait, hein, mais bon. Non je ne peux pas Darksider, c'est le site qui est comme ça. Non mais c'est pas que c'est chaud, c'est que c'est perdu là, je veux dire. Je vais faire un peu de résistance. Plus rapide que moi je crois, hein. Ouais il va me défoncer. Ouais. J'aurais dû explore force comme un tard, ce serait passé en fait. J'essaie de mind down un switch qui n'aurait pas dû avoir lieu et. Ça fait quand même deux défaites d'affilée là, hein. Force de ressaisir et se reconcentrer un moment. Limite la moyenne là. T'as déconné. Non, j'ai pas déconné. J'ai mal joué. En soi, j'ai pas fait une grosse erreur, mais j'ai fait une erreur suffisante pour perdre. Celle de croire que j'aurais pu le tuer avec choc psy. Que je vois focus de ça comme un tarde. Normalement il va pas pouvoir m'outspeed, c'est impossible. Et si jamais je mise pas, je tue. Ah! Oh là là, l'enfoiré! Stealth Rock, ok. Merci beaucoup. On a le doute, on va Shadow Ball. Ghost Grass. Shadow Ball, hein. J'ai rien à craindre normalement.
Oh putain. Shit. Bon, il a tenu quand même. Il a quand même pas mal tenu, méga tyran nocif. T'es sérieux qu'il a tenu? Putain, mais d'où il tient aussi bien son truc là? Putain, j'ai perdu. Je vais perdre sur ça, ça me rend ouf. Machin, il tient à 2 PV, je crois. Ça parce que je veux pas risquer de faire une explo force sous peur de me crever comme une merde. Putain, ça me saoule. Ça parce que j'ai pas confiance à ma malchance quoi. Oh ouais d'accord, en plus il me crit. Le mec, c'est lui qui joue à Dollar, et puis... Le mec, il m'a fait harcèlement quand même. Au calme. Je pense que je vais pouvoir le tuer. Là avec le X. Non, pas du tout, il tank très bien. Je note. De toute façon, je peux pas switcher donc j'avais pas le choix. Et il y a les pièges de rock. Bon, il est plutôt lent. Je vais bourrer Dracométeur comme un tarde. J'ai plus réellement d'options contre Mélodelphe, donc je suis dans la merde. Oh putain, je le crit. Je le crit quand ça sert à rien. C'est la première fois que tu gagnes sur ça, non? Que tu game. Ah oui. Sur... Sur Showdown, c'est ma première vraie session. Alors, il va falloir que je me concentre plus sur le jeu parce que je fais n'importe quoi. Hein. Là, mes Galakazam, j'aurais jamais dû le perdre. J'aurais dû tenter Explo Force. J'aurais dû piffer Explo Force, même si ça passait pas dans tous les cas. Ok, et il veut me faire quoi? Là, moi je bourre Dracométeur et puis voilà. Salut Hunter, j'espère que tu vas bien. Salut Strom, j'espère que tu vas bien. Faudrait que j'arrive à défog avant de partir.
Ok, vu qu'il peut pas me tuer comme ça, je vais roost quand même avant. Histoire de pouvoir le faire partir dans des bonnes conditions. Une toxique, ok. En fait, le problème que j'ai là actuellement, c'est que en soi, je peux le tuer avec une attaque tonnerre. Mais il a encore deux stallers derrière, quoi. Oh là là, il m'a frosse, quoi. Putain. La chatte. Bon, dans tous les cas, il va sûrement mode speed. Il va sûrement faire attaque poison. Genre, comme si j'ai pas déjà assez peu de chance. Là, je me tape un vieux axe de merde. Ah, c'est bon. Burn. D'accord. Ok, merci. Bon. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a des attaques poison. Du coup, je vais calm mind sur sa tronche. Salut Dexnode, j'espère que tu vas bien. C'est Tata Cruel, Catnip, c'est pas Tata Cool. Je vais calm mind comme un gros tarde. Je vais pas trop me poser de questions. Je sais, Fifou. Mais bon, ça me fait chier, j'ai quand même pas eu de chance, tu vois. Genre, j'ai réussi à me faire geler et brûler à la suite. Tu vas le dire, c'est plus la malchance qui me fait chier. Il a forfait, d'accord, très bien. Salut Tounsi, j'espère que tu vas bien. Bon, mais on a gagné par forfait, c'est beau. Bon, je reste difficilement en au-dessus de 1100. Ça. Ah, j'adore ce genre de team. Ça mérite un Alakazam first. Cher. Je sais pas si je vais le tuer, mais en tout cas, je sais qu'il va prendre tarif. Et il est brise-moule. Salut Florentin, j'espère que tu vas bien. Oh, 83%. Là, tenter un focus blast sera intéressant parce qu'il va peut-être switcher sur Itran, histoire d'absorber justement le Hidden Power Fire. Donc là, tenter un vieux bourrage à focus. Ouais, voilà, ok, très bien. Il a pas switché.
Moi ça va, Tunsi. Gagner par forfait, c'est du manque de chance. Ouais, enfin. Si le mec est encore plus naze que moi, j'y peux rien en soi. Là, il va me sucker punch. C'est sûr. A plus, Bidou, merci d'être passé. Voilà. En fait, c'était sûr dans le sens où il voulait one shot mon Alakazam. Du coup, je vais sur Godzilla. Là, il va sûrement réessayer de sucker punch. Mais j'ai piège de rock. À moins que là, il va essayer de saboter, peut-être. Là, il va sûrement faire un sabotage. Ou un pistol point. Ah non, il le retire. Et il met Rotom Wash. Pas grave, je mets les Cell Rock. Ça me va. Et là, alors le set classique c'est Volt Switch. Hydrocanon. Je vais switcher sur Melolo Ferrari. C'est un Pokémon qui tank le plus en DefSpé. Donc en soi, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Voilà, Hydrocanon. Ça m'enlève entre guillemets que 35% de ma barre de vie. Mais c'est pas important, je vais Calm Mind. Salut Crypto, j'espère que tu vas bien. Théoriquement, s'il crit pas, il peut pas me tuer. Du coup, je peux E-Cock assez easily. Il est peut-être dans un Volt Switch, parce qu'il sait très bien que là il va pas tenir. Il pourrait m'envoyer Heatran, ça serait peut-être le seul Pokémon dangereux. Voilà. Je sais pas trop quoi faire. J'ai pas envie de passer à la cuillère comme ça en fait. Ça c'est un switch dangereux. Recadéar. Ce serait un switch vraiment méga dangereux. Flash Cannon. 40%. En fait, comme je sais pas s'il est vraiment plus rapide que moi, je vais atterrir. Sinon, je vais le perdre au prochain tour. Ouais, il est plus rapide que moi. Du coup, je vais refoutre un coup de roost. Salut BBA, j'espère que tu vas bien. Je peux defog. Est-ce que lui non canon ça fait beaucoup de dégâts? Attendez. En tout cas il est scarfé hein. Ce qui fait juste c'est qu'il a switch finalement. Aqua Jet peut me tuer, j'en suis sûr. C'est le droit de Pokémon, non pas du tout. Faut pas que je perde la tiasse comme ça. Bellydrum. Là un Pokémon va devoir mourir. Entre nous. Qui c'est mon Pokémon qui serait le moins utile? Face à la team d'en face, mon Pokémon le moins utile c'est Ectoplasma. Tu crois que du showdown, oui.
J'aurais dû, en fait, j'aurais dû bourrer tonnerre comme je. J'aurais dû bourrer tonnerre comme un sale. Mais j'avais trop peur qu'il m'aquajette et qu'il me tue. J'étais pas full life. J'ai pas posé les pièges de rock. Si, j'ai passé les pièges de rock. Et voilà, on va Braveheart comme un gros tard, ça va. Non, moi je vais le forcer à switch avec ça. Et il switch pas, il meurt, très bien. Mais j'ai pas les pièges de rock. À quel moment est-ce qu'il me les a enlevés? Ah oui, mais c'est vrai qu'Antibone ça enlève tous les pièges de rock, je suis con. C'est quand j'ai oublié ce. De toute façon, j'en avais. Là, il va hydrocanon encore. Melo Ferry. A plus, Darksider. Merci d'être passé. T'aurais pas tué ton dragon Ristalo. T'es sûr, Chiki? Moi, j'ai vraiment eu peur sur le moment. J'ai vraiment eu très très peur. Ouais, il va Volt Switch, normal. Là, il va sûrement envoyer Itran qui va spam Lumino Canon comme un tard. Peut-être perdre Godzilla dans le move, mais faisant juste qu'il est Scarf, donc il va faire qu'une attaque. Ouais, moins 51% pile quoi. Peut-être pile à juste avoir. Il doit être build défensivement. Pire, les Stealth Rocks sont pas méga importants. Je pense qu'il faut que je séisme. De toute façon, il est plus rapide que moi, c'est sûr. Après là il a peut-être mindé, il va switch sur Dracolos ou sur Ah non d'accord, il m'a tué. Ça va être chaud. Ça va être très chaud, je vous le dis. C'est bon, ça touche. Ça touchait pas, j'étais vraiment dans la merde. Bon, du coup, là, je suis quand même pas trop mal placé, ça va. Il va sûrement envoyer son Bisharp. Et il a pas vraiment d'autre choix. Et on va revenir à la danse avec Melolo Ferrari. Salut Silver Twix, j'espère que tu vas bien. Et on va recommencer à danser. Parce qu'il y a forcément. Ah non, il sort Dance, il m'a anticipé. Ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint. Oh là là. Bon, et là, il va se faire. Là, je suis dans la merde. Là, j'ai pas le choix. Là, il va Sucker Punch. Je pense qu'il va me tuer aussi. Non, sur Sorden c'était bien joué, je. Pfff.
Là, j'aurais du limite atterrissage pour faire fail le Sucker Punch. Mais je sais pas si ça va servir vraiment. Ouais, voilà, c'est super effectif. Putain. Sawyer, j'espère que tu vas bien. Ça me saoule. J'ai perdu comme une merde. Bon, dernier combat. Ce serait bien de le gagner histoire que je sois stable à un niveau lose win. Est-ce que je peux voir mes stats? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux voir mes stats? Alors là, est-ce que je peux faire moi? Ouh, la team bien fou. C'est là que je regarde de pas avoir d'attaque aquatique. Hein. Parce que là j'aurais eu une attaque aquatique, j'aurais fait un massacre. Genre... C'est dommage. Garchomp. Là j'aurais joué quel déo, j'aurais fait des massacres. J'arrête après Zelios, je suis fatigué. Oh là, les non-dégâts. J'ai rien contre ça. J'ai pas d'attaque aquatique, c'est peut-être ce qui me manque le plus dans le... Putain. Salut Dark Zephyr, j'espère que tu vas bien. Je peux tenter de jouer au flinch. Je peux tenter de jouer au flinch s'il est plus lent que moi. Pourquoi il veut me l'endormir? Je sais pas pourquoi il veut me l'endormir. Il me casse les couilles avec Famzan. Il y a Famzan. Je comprends pas pourquoi il veut m'endormir mes deux Pokémon. De toute façon, jamais il m'en endort un. Bah, il m'aura endormi un quoi. Limite, ça m'arrange entre guillemets quoi. En fait, mon ectoplasma faudrait que. Oh là là. Ah ouais d'accord, ok, le fils de pute. Mais qu'est-ce qu'il veut faire?
Je comprends pas ce qu'il veut faire en fait là. Avec son. Il veut placer un Pokémon? C'est... Il veut. Pff, peut-être qu'il va Dragon. Oh là là, je sais pas. C'est quoi son plan? Ok, ouais. Il veut Dragon Dance. J'aurais dû switcher sur Hector Thomas de suite, j'aurais dû m'en douter. Ah non, pas du tout. M'a fait bien mal. Bon anniversaire. Non mais je chanterai pas les gens, pas ce soir. Oh là, il m'a crit. Putain. Il m'a crit quoi. Bon, je pars sur le principe que, en étant brûlé, il ne peut pas réussir à tuer mon Melodef du premier coup parce que j'ai quand même des PV quoi. Normalement, il peut pas. Enfin, s'il y arrive, c'est qu'il a vraiment tapé comme un bœuf. Putain, il met une demi-heure à jouer quoi. Bon, il y a Sarzalios aussi alors. Quoi, on va jouer au Calm Mind peut-être là. Wish, d'accord. Mais fais-moi un calm mind. Laisse-moi me placer, écoute. Hein. Bien, et il va me faire quoi? Il va me sortir quelle attaque là? Limite j'aurais pu encore plénitude comme un gros tarde. Ok. On en parle du mec qui veut m'endormir deux Pokémon alors que c'est interdit. C'est, il s'en rend compte de ce qu'il fait là? J'aurais dû plénitude.
Mais non, mec, t'as fumé, hein. Le mec, il a full protect. J'aurais dû anticiper le protect. J'aurais dû anticiper le protect et plénitude un coup de plus, histoire d'être tranquille et safe. En fait, son Mupodocus, il sert que à endormir. Mais il est fait de la merde. Parce que pour le coup, il y a une cause qui fait que je peux pas m'endormir. J'aurais dû plénitude. Je pense que j'ai mal. Enfin, j'aurais dû m'en douter qu'il allait refaire le coup de bâillement sommeil. Bon, après, le problème c'est que là j'ai bien placé mon Pokémon en soi. Dire, à la limite, il peut sortir son machin soit de fer là, mais. Pas Garchomp, Kono. Je sais plus comment il s'appelle. L'araignée de. Enfin, l'araignée. La fourmi de fer. Un électrode, il va me faire quoi? Explosion? Fermite? Ah, merci. Taunt, c'est cool. D'ailleurs, j'ai plus trop besoin de sweeper actuellement. Je vais même faire le luxe de faire un lance-flamme au cas où il switch sur son Pokémon de fer. Salut moi, j'espère que tu vas bien. On est tour 16, il prend son temps en plus, l'enfoiré. Il m'a paralysé l'enfoiré. Si je perds sur la paralysie, je vais rager sec. Ouais. Putain! Il veut m'avoir au double axe en fait. Bonne nuit Candice. Repose-toi bien. Le mec il met une demi-heure à choisir. Le mec il met une demi-heure à choisir qu'il veut faire tête de fer quand même. Bon, je sais à soft boil. Je vais le refaire. Bah, je m'en fous, j'ai le tube brûlure. Je veux dire, il met son temps à jouer. Bah, au moins, je vais pas me gêner. Moi, bon, je m'en fous. Je tiendrai comme ça parce que de toute façon, j'ai aucun intérêt à switch.
Le mec il met une demi-heure pour choisir tête de fer. Limite j'avais dû mettre start timer. Ah ça y est, il commence à agir plus vite. Putain, maintenant je suis paralysé, sérieux. Bon, je vais le perdre, mais c'est pas grave. Monis Bibi, repose-toi bien. Mais il reste Fermite, Loclass et son autre Pokémon, je sais plus comment il s'appelle. Et le mec écrit justice dans le chat. Le mec il met un an à peu près à jouer et le mec il met une demi-heure à jouer et en plus le mec il se permet d'écrire justice alors que bon. Bref. C'est pas grave. Normalement j'ai toutes les cartes à même pour le tuer. Si je fais pas de la merde. Je raconte pas de la merde. Je vais Psychic dans le doute pour le stab et compagnie. Allez. Allez. Je crois en toi, mec. Il m'envoie Fermite. Je vais la Hidden Power Fire. 25 tours hein. 25 tours qui m'ont pris facilement 10 minutes hein. Parce que le mec en face joue à 2 à l'heure. Ouf, il a pris cher quand même. Bon, ben je quitte en ayant 1136 d'élo. Bon, on est parti de 1000, je rappelle. Voilà, bon, moi j'espère que ce live vous aura plu. Je le mettrai en diffusion sur YouTube. Le site c'est Pokémon Showdown. Je vais le link sur le chat avant de partir. J'espère que ce live vous aura plu. Vous avez Loupio sur la YOLO. Je sais pas ce qu'il fait. Il doit sûrement faire du Minecraft, un truc dans le genre. Bref, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très vite. Ciao les gens.